directement récupéré par les Havrais avec Obougou Jaquet dans la surface. La belle montée là dans Havrais, latéral droit qui va centrer peut-être face au gardien. La frappe directe contrée par Kylian Péré, impérial sur cette action. Peut-être avec Obougou Jaquet qui s'est retourné pour partir. Ensuite, il est rentré dans la surface de réparation. La frappe de Obougou Jaquet qui va mourir juste au-dessus des cages de Kylian Péré après ce beau travail du numéro 9 Havrais. Peut-être que ça va s'emballer enfin avec Barcola. Pour Abdallah, beau contrôle de l'attaquant marseillais. On revient sur Sternal à l'entrée de la surface de réparation. Il va aller provoquer. Il est rentré sur son pied gauche. La frappe de Sternal et le but. Oh, le but d'Enzo Sternal qui allait s'offrir cette occasion tout seul. L'ailier marseillais suivi de tous ses coéquipiers pour célébrer comme Cristiano Ronaldo le sou du Marseillais numéro 15. Qui fait le boulot ensuite pour presser. Et là, c'est Mago qui va aller provoquer. Mago dans la surface de réparation. Mago le centre en retrait. Mago pour Bangna. La frappe d'Ouro Bangna. Le but. 2-0. C'est plié. 2-0 pour l'Olympique de Marseille face au HAC. Et la qualification en finale est enfin acquise pour les Marseillais, pour les hommes de Sébastien Henrios. Lui aussi, hein, pour ceux qui suivent un petit peu les sélections de jeunes. Voilà, le pressing de Moussier, la récupération de Moussier. Oh, la faute et pénalty. Pénalty pour Amiens. Est-ce que c'est la double sanction? Le Pironec face à Delbar. C'est parti, le Pironec. Le contre-pied parfait de Kélian Pironec qui vient ouvrir le score. Ça fait 1-0 pour Amiens dans cette demi-finale. Ça va être le duel, Mayol, c'est parti, la tête dans la parade ou non, oui. Mais quel sauvetage, mais quel sauvetage de Zirmi. Bien joué ça, la combinaison avec Sylla Touré. Sylla Touré, oh, pénalty, eh oui. Matisse Saka, 67 minutes de jeu, Matisse Saka face à Zirmi. Et l'exploit du portier amiénois, Yanis Zirmi. Ce sera pour Akin Leye, le centre pour Irene Ikena et la parade de Delbar. Mayol tiré au second poteau, Kumbasa à la tête, c'est sauvé sur la ligne, c'est pas terminé. Le coup de billard, on s'en sort comme on peut. Et c'est terminé. C'est Amiens qui va jouer cette finale du championnat U17. Cette demi-finale, eh bien ici à Orléans, dans ce stade de la Source. Oh, attention à ce genre de ballon qui peuvent profiter aux Nantais désormais. Oh, il y a de l'espace, il y a beaucoup d'espace pour les Nantais désormais. Oh, et quelle parade, la première vraiment très très décisive de Roman Karolevic sur cette frappe. Récupération nantaise. Et là, il y a vraiment quelque chose à jouer. On les Nantais qui sont tout proches d'ouvrir la marque. Mais finalement, oh, finalement, son Kumba Touré qui ne peut pas frapper. Et dans un deuxième temps, ils vont réussir à ouvrir le score, le but des Nantais qui finalement, à la 27e minute, vont faire la différence. Et les Nantais qui, justement, ont le ballon et qui vont pouvoir centrer. Et c'est plutôt bien effectué. Une frappe à venir. Oh, une frappe à venir, celle de Tabibou qui va finalement, eh bien, accentuer l'avance des Nantais. Quelle frappe. Cette deuxième période avec le corner à venir, ça pourrait être le moment parfait pour marquer. C'est Salomon Kessi qui vient inscrire, eh bien, le premier but lensois, réduire l'écart. Qui justement peuvent accélérer. Il y a une ouverture côté gauche désormais. Caïs Benabdé Louad qui va centrer ce ballon. La tête de Ryan Fofana. Ryan Fofana qui permet, eh bien, le soir de revenir à égalité à deux partout. Il a fait son entrée il y a quelques instants. Accélération nantaise, l'accélération de Karamoko Keita qui ne lâche rien, le Nantais. Et oh, et le rouge. Oh, le carton rouge. Carton rouge. Soit avec Nolan Bonté. Oh là,
Bonne récupération de Louis Leroux. Louis Leroux qui va pouvoir décaler désormais pour finalement trouver Ereba Guirassy. Ereba Guirassy qui va frapper. Pressing nantais, c'est terminé, et Nantes, dans le temps additionnel, vient arracher sa qualification. Nantes sera en finale, Nantes peut croire au doublé. Une seule frappe de chaque côté pour l'instant. Pourquoi pas la seconde maintenant avec ce ballon d'achat de réparation. La tête de Muguet et Marseille qui sur sa première vraie opportunité sur une action jouée rapidement a surpris la défense parisienne. Et c'est Muguet qui est à la réception de ce centre qui met le ballon au fond entre les jambes du gardien parisien. Après 18 minutes de jeu, 1-0 pour l'OM. Superbe ballon de CA. C'est ce que nous a dit Zoumana Camara en avant-match. Attention, cette nouvelle paire de balles. Et là, ça peut aller vite. Ça peut aller très vite avec encore Mugué, avec Lago maintenant. Ils sont deux. Et comment ça va se terminer? La parade superbe de Mugué. On repart côté parisien. Lemina entre deux joueurs qui a réussi à se saisir du ballon. S'il réussit à passer la Noël Lemina. Superbe en puissance et en vitesse. Noël Lemina dans la charge de réparation. Et la parade de Van Dijk. Offensivement, et c'est pour l'instant ce qui est en train de se passer avec l'appel dans le dos de Mungu. Il est un petit peu court ce ballon. Superbe déviation en Garbi. Il y a l'appel de Lemina, on retrouve Mungu, Lemina encore, pas de position d'enjeu cette fois-ci, le ballon qui réussit à se retourner, la frappe, oh ça passe à côté, mais quelle action encore une fois du PSG de Noël Lemina. Papé réclame le ballon, il n'est pas servi parce que ça a été très bien lu par Traoré, le 1-2, ça ne fonctionne pas, et finalement avec un peu de réussite, la face-à-face désormais, quel arrêt de Mouquet, c'est pas terminé, pas de faute, le jeu se poursuit. Lemina, seul contre 4 joueurs de l'OM, est-ce qu'il va réussir à passer Noël Lemina? Une fois, deux fois, il capte ensuite sur Rousny, le plat du pied, c'est exceptionnel ce que vient de faire Noël Lemina, et la finition d'Ilyes Rousny comme à Auxerre, c'est encore une fois le stérial buteur du PSG qui remet son club sur les bons rails, un but partout à la 59e minute de jeu. Et on va essayer de trouver Noël Lemina et retour au jeu. Après encore une fois une longue intervention et encore une fois Noël Lemina alors que le PSG est à 10 qui rentre dans la surface de réparation, il y a faute. Alors qu'il y avait vraiment un contact mais Monsieur Ingrand qui est très bien placé pour trouver Mugué lors du premier but. Le coup franc qui part bien, c'est au second poteau et c'est finalement bien repoussé par Naga. Ouais, attention parce que c'est mal relancé par Rousny, c'est encore le plat du pied. Et ça flotte comme il faut, mais c'est pas assez enroulé. Maintenant, avec cette orientation sur le côté gauche pour Ilyes Rousny. Nouvel appel de Mungu. Rousny qui va s'en servir cette fois-ci pour rentrer sur son pied droit. Et enroulé, ça passe à côté. Ah, Hamada qui maîtrise finalement ce ballon. Pas de faute de Diaby. Et l'appel de Ilyes Rousny. Pas de position d'enjeu. Le face-à-face, le crochet, il est passé. Et il va réussir à redresser ce ballon. Et à mettre le ballon au fond du filet. 90e plus 2, la dernière opportunité, elle était pour le PSG, elle est pour Ilyes Rousny, et celle-là, je peux vous dire qu'il ne les rate pas. Ça fait 2-1 pour le PSG. C'est parti, ça décolle, ça va arriver en entrée de surface de réparation. On s'est repoussé une fois à la tête dans la surface de réparation. Van Dijk qui en contrôle, Assad, Lago. Van Dijk qui a failli mettre sa tête. Et que signait l'arbitre? Que signait l'arbitre? Est-ce qu'il a dit pénalty? Il y a un geste, il y a le pied haut. Il aurait eu des décisions difficiles à prendre quand même, Monsieur Ingrand, il faut quand même souligner son superbe match. Et c'est terminé. Mené 1-0 à la mi-temps. Le PSG a réussi à retourner la situation. Le PSG s'impose. Le PSG file en finale du championnat national U19 pour la première fois depuis 2015-2016.